بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut permettre nos besoins pour apprendre concernant ce dîn. Et nous implorons Allah pour lui mettre sincérité dans ce programme-là, afin qu'il nous fasse succès nous tous, ban qui peut partager, ban qui peut écouter, dans dunya et dans l'akhirat. Aujourd'hui, inshallah, nous terminons avec Surah Al-Mutaffifin. Nous prenons la dernière partie de cette Surah-là. Alors, comme un rappel, cette Surah-là, c'est une Surah qui fait révéler une divergence dans les bandes savants. Et dans la partie des bandes savants, je veux dire que cette Surah-là, c'est la dernière Surah qui fait révéler dans Makka. Et dans l'autre partie des bandes savants, je veux dire que c'est la première Surah qui fait révéler dans Medine. Et cette Surah-là, au commencement de cette Surah-là, Allah Ta'ala traite un aspect important dans la vie sociale, ben, dans les transactions commerciales, ben, l'honnêteté dans din. Et Allah subhanahu wa ta'ala attache l'honnêteté dans les transactions commerciales avec iman bil yawmil akhir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant ben fujjar. Ceux qui les font réserver à ben fujjar, Allah ta'ala cause concernant ensuite ben abrar. Ceux qui les font réserver pour ben abrar. Dernière partie de sa surah là, Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant quelque chose qui peut arriver le jour du jugement dernier, il est comme si dirait un soulagement pour ben dire moun qui n'a iman. Frère l'islam, chère l'islam, quand nous guettons autour de nous, quand nous guettons le réseau social, quand nous guettons ce qui peut arriver dans mon pays, comment est-ce qu'un musulman peut souffrir? Comment est-ce qu'un peut faire bouffon avec un musulman, avec l'islam, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et bien souvent, et la société, la musulman sent-il-y incapable pour réagir, sent-il-y dans un moment de faiblesse, pas capable de réagir. Et connaît qui? Bouffonnerie, moquerie, ces hommes, ben lâche qui, tu te peines à argument, je ne suis pas capable de raisonner avec la vérité, mais là, je t'ai un recours à ce type de méchanceté, ce type d'argument. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, « Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakoun. » Inna, un mot qui servit pour mettre l'emphase, « alladhina ban »« Inna alladhina ajramu ban ki ajramu. » Ajramu, c'est l'ithm al-azim, ben qui fait un grand péché, péché bien grave, ben qui fait un shirk, ben qui fait un kufr. Et ici, Allah peut faire référence à ben kuffar Quraysh, surtout certains ben chefs de Quraysh, façon qu'ils ont pu agir avec ben musulmans. Façon qu'ils ont pu agir avec ben musulmans. Et il n'est pas conscient sa période de l'état dans ma cas que ben Quraysh s'est agi dans sa façon-là. Il y a une petite chose qui a travers les temps. Et surtout dans l'époque qui nous peut vivre actuellement, nous trouvons encore plus. Façon qui ben l'ennemi d'Allah, je agir envers ma musulman. Certains ben l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina ajramu kanu min al-kuf, min alladhina amanu yadhakoun. Min alladhina kanu min alladhina amanu, je t'y paie. Yadhakoun, je t'y ri, ban, kena iman. Je t'y fais un moquerie, je t'y fais un bouffonnerie avec ban musulman. Et ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin met ni dans, il met kanou, ensuite yadhakoun, yadhakoun, un verbe au présent, c'est moi, moyen à kanou, peut montrer qui, ban là, je t'y fais ça tout le temps. Sa bouffonnerie avec ban musulman là, c'était pas une petite chose, une fois les temps, je te fais un autre. C'était une petite chose que je te fais faire, je te fais répéter tout le temps. Tout le temps, maintenant, tu peux faire ça. C'était l'habitude, c'est l'habitude que je tiens là, je te fais faire bouffon avec ma musulman. Et là, des petites choses qui m'ont facilité, dire. Premièrement, je te fais faire bouffon avec ma musulman, parce que, plus beaucoup de monde qui s'acceptait l'islam au commencement de l'islam, c'était des monde qui faible. C'est là des monde qui c'est dans une tribu noble. Bon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, Othman ibn Affan radiallahu anhu, Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, et ainsi de suite. Mais c'est là aussi des musulmans qui faible. C'est là des gens qui sont dans l'esclavage.
comme Bilal ibn Abi Rabah, la famille de Yasir, et ainsi de suite. Alors, Ban Mushrik Quraysh, je peux faire bouffon avec Saman Dimoun là. Et que Saman Dimoun, misère, misère, faible, faible là, Saman là, il a accepté l'islam là. Et je peux faire bouffon aussi avec Ban Musulman en général, à cause de Iman. Pas juste à cause de statut social, mais aussi à cause de Iman. D'ailleurs, vous allez vous trouver plus devant, Inch'Allah, et aussi, quand un Dimoun, tu peux accepter l'islam dans cette époque là, Ban là, que tu peux dire, Soba à Fulan. Soba Afoulan veut dire littéralement un tel impédit de l'esprit, il est fou. Quand un dimoun accepte l'islam, je peux faire référence à ça comme un dimoun qui ne perdit de l'esprit, comme un dimoun qui est fou. On va dire, c'est un dimoun fou qui a accepté l'islam, faudrait un dimoun qui perdit une faculté mentale pour accepter un dîme pareil, une croyance pareille, un akida pareil, selon les dires de Ban Mouchri. Ça a été là, Imam Asuyuti Rahimahullah, les dire qui, sa ayat là, là-dedans, est une preuve qui, les haram, pour faire bouffon, pour faire moquerie, pour rire, ban musulman. Les haram, sa série ayat là, lui montrer qu'il y a un grand péché pour faire bouffon, pour faire moquerie avec, avec ban musulman. Alors, ban là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa idha marru bihim yataghamazun. Wa, et, Ida ka marro passé marro bihim quand je passe avec banla. Les deux significations dans sa ayat là livrée. Qui veut dire les deux significations? Wa ida marro bihim qui s'enla tu peux passer et qui s'enla qui tient en place ban qui tient passer parce que Dieu. L'incapable, l'impossible qui ban musulman quand tu peux passer que ban kuffar et l'impossible aussi quand ban kuffar tu peux passer que ban musulman. Yatarama zoon, lui m'a montré, sa pattern, sa verbe là, lui m'a montré qu'il n'est pas une action, une seule dimoun là. Des trois dimoun ensemble, je te fais el rams. El rams, c'est quoi? El rams, c'est, man, si, qui m'a dimoun faire, qu'il soit avec votre expression faciale, ou bien avec votre lame, pour faire bouffon, pour dénigrer el dimoun. El rams. Alors, comme un musulman, tu peux passer, ça va un mouchrik là, ça qu'un tu peux faire signe avec son camarade. Comme si je dirais, tu peux faire moquerie, tu peux faire bouffon avec un musulman. Et le contraire aussi, quand un koufan, tu peux passer comme un musulman, je tu peux faire signe avec un camarade pour faire bouffon avec un musulman. Parce que comme musulman, tu peux passer comme d'autres, quand je dis, je tu peux passer comme un musulman, je tu peux faire bouffon avec un musulman, pas un signe. Donc, je te fais tout l'occasion que je suis capable, tout l'occasion possible, et je te fais faire ça, je te fais ça bien, quand je suis capable de faire bouffon avec ma musulman. Une petite chose que je suis haris, je suis enthousiaste, je suis content pour faire ça. Wa idha al-qalabu ila ahlihim, in qalabu fakihim. Wa idha et quand, in qalabu veut dire, quand je te retourne dans je te la case. Quand je te retourne dans je te la case, in qalabu ila ahlihim, quand je te retourne vers je te la famille. Il avait un lihim, je te famille, je te madame, je te bande d'enfants. In qalabu fakihin, qui je te fais, je te retourne fakihin. Qui veut dire fakihin? Fakihin, c'est un dimon qui content badiner. Un dimon qui, li causé pour faire rire. Li causé pour faire rire. Ici, Allah Ta'ala me fait référence à ce qui ban mouchrik tu peux faire dans je te la case. Quand je te, avec je te famille, je te madame, je te bande d'enfants. Je te fais, je te continue faire bouffon avec ban musulman. Je te fais ban joke pour faire je te famille rire. L'oban musulman. Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Donc, ban là, je, ban musulman, je te fais rire ban musulman dans la société. Je te fais rire ban musulman quand je, entre je te ban camarade. Je te fais rire ban musulman quand je dans la case avec je te famille. Donc, en secret, ouvertement, je te fais faire bouffon, je te fais faire bouffon avec ban musulman. Imagine Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il grandit parmi banna. Banna konni as-sadiq ul amin. L'état, il peut faire dawa avec ban akhab qui reste en dehors, Makka. Son propre tcha-tcha. Son propre tcha-tcha, mais derrière lui, il dit, man, dimoun, fais attention avec sa dimoun là. Il y a une mentée. Fais attention avec sa dimoun là. Il met des autres dans ban famille, dans ban tribu, entre un garçon avec son papa, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'un musulman peut réagir dans sa vie-là? Et bien souvent, des fois, il y a un musulman qui fait,
pas capable de faire rien. Bilal ibn Abi Rabah, ben, les enfants tassent sur les coups. Avec un laco, traîne-li dans le chemin de Makka. Pas capable de faire rien. Il est faible. Il est tout seul contre tout. Il peut résister à Ahadun Ahad. Allah est unique, Allah est unique. Ça, c'était mindset, l'état d'esprit de un musulman dans sa situation pareille. Vraiment, c'était une torture psychologique extraordinaire. Torture psychologique extraordinaire qui un musulman dans sa époque là peut faire face. Et ils ont dit aussi pareil. Et là, un musulman à travers le monde ne trouve pas ces bouffonneries, massacres, crimes qui peut dérouler contre un musulman, le réseau social, bouffonnerie qui m'a fait faire avec un musulman, puis appelle un musulman qui met des niqab, comme s'il dirait une boîte à lettres, appelle les autres, faire bouffon avec les autres, appelle les autres, un ninja, et ainsi de suite. La liste là est longue. Allah subhanahu wa ta'ala décrit sa action, qui s'est koufar là, tu peux faire. Et nous retrouvons-nous, parfois, dans notre société actuelle, nous retrouvons-nous dans cette époque-là. Et là-dedans, pour Imam Suyuti, rahimahullah, l'un des dieux dans cette ayat-là, qui dit haram pour faire bouffon avec un musulman, c'est qui plus grave. C'est qui, comme musulman même, fait bouffon avec ce frère, ceci un musulman. Grand péché terrible. Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire, wa idha ra'awhum, quand je trouve ban la, comme un moustique trouve ban musulman, qalou, ban la dire, ban moustique dire, inna ha'oula'i la dhaloun, inna, certainement, ha'oula'i, ça ban la, je vais faire référence à ban musulman, la dhaloun, la ban mouzah la kok, je vais mettre l'emphase en cours, dhaloun ban égaré, qui veut dire dhaloun? Ça veut dire, ban mouchrik zut, quand je trouve ça ban musulman là, il quitte, din qui zut ban ancêtre, tu peux pratiquer, il quitte l'adoration ban idole pour adosis, Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui maintenant tu peux trouver drôle. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître un de ban dialogue qui ban mouchrik tu mettais, avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il te peut dire à nous, quitte tout ça ban idole là, adosis, un seul Allah? Une affaire bien drôle, te peut dire, nous, là. Quand je trouve un musulman, il a accepté qu'après la mort, il revive pour un compte avec Allah. Ben là, les temps, je trouve un musulman considère tout le monde qui est un iman, n'importe qui statut social qu'il y ait été, je égale devant Allah, puis il me yes, c'est pas pour quand tu t'es casse qui vous ou bien pour notre tribu qui vous été, c'est qu'il me yes auprès d'Allah, c'est celui qui n'a pris beaucoup de ta quoi. Ben là, trouve ça drôle. Donc, ben là, tu peux dire, il n'a pas, ou là, il a dans l'aune. Donc, ça va, quand je quitte din de Zedban, ancêtre, pour accepter din que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin amené, je dis, ce moment-là, c'est ban égaré. Et aussi, Abdaloul me dit, façade au ra'i. Me dit, ce ban musulman-là, une façon de parler, je l'esprit n'a pas batté. Je deviens fou. L'esprit n'a pas batté à cause ça, qui je peux dire quand je trouve un musulman, quand j'ai envie d'une indication qui est un tel, il rentre dans l'islam, je dis, soba à foulan, un tel individu fou. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. C'est comme si je dirais une sorte de sarcasme que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire avec un mushrik. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Wa et ma négation, أُرْسِلُوا, je n'ai pas fini d'être envoyé. C'est un mushrik là, pas fini d'être envoyé, alayhim lo ban mu'min, hafidhin, pouvez je. Personne pas n'envoie ban mouchrik pour enlever ban mu'min. Sa qualité, je peux faire là. Pas tout quand je peux trouver, quand je dirais, je peux veiller en l'occasion. Je peux veiller en l'étang. Pour je trouve ban mu'min, pour je dire, ban égaré. Ça va là, ban fou. Je trie ban là, je te fais bouffon avec ban là. Allah pas n'envoie, je pouvais ban mu'min. Et le ban moukmin pas responsable, je suis pas responsable action de ban moukmin. Ban moukmin peut n'a aucun compte pour le rendre avec je pour ban action que je fais, pour ban action que ban moukmin fait. Alors, qui fait, je suis harri, je suis content dans sa façon là. Qui fait, je peux faire sa quantité d'efforts là pour faire bouffon avec ban, pour faire bouffon avec ban croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fal yawma. Allô, Azodi. Et ici, Azodi me fait référence à
ذو قيامة. فاليوم الذين آمنوا عزوجي الذين آمنوا بل كنا إيمان من الكفار يضحكون جد بغي من كفار. الجزاء من جنس العمل. Récompense qui a dit mon gagné, lui dépend l'eau, action qui dit mon la fin faire. L'eau la terre, ban koufar, ban chef mouchrik de Makka, je te peux faire bouffon avec ban musulman. La jour qiyama c'est-à-dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, fal yawma, الذين آمنوا من الكفار يضحكون أزودي من كنا إيمان كي بغيب من كفار لو لا تيجي تبغيب من كنا إيمان زو قيامة من كنا إيمان كي بغيجت من كنا إيمان كي جد بغي لديني سوريا Et ça fait là, fait yom, ça fait au commencement là, ben, l'ulama dit, c'est fait, sababiya, c'est-à-dire, Qui fait un ban moukmin pour rire ban koufar? Parce qui ban koufar, tu rire ban moukmin. Parce qui ban koufar, l'eau la terre, je te rire ban moukmin, je te fais bouffon avec ban moukmin, en retour à cette terre, la justice d'Allah, c'est ban moukmin qui rire ban koufar. Ala al-ara'iki yandhurun, ala al-ara'iki, nous déjà fait un ara'iki, le pluriel de arika, qui veut dire ban soufa, ban lili, qui est ban coussin, et qui est ban voile qui descend, yandoron, je te pégite, ça ban qui te périt, je te là, l'eau la terre, ban qui se fait dominer avec je te l'eau la terre, zo qiyama, ban moukmin, l'eau je te ban ara'ik, je te fais victoire, je te pégite ban koufar, et je péris ban koufar, qui dans humiliation, qui dans punition, que Allah subhanahu wa ta'ala, fais nous vin pour ban croyant, Fais-nous, mot, l'eau, iman, l'eau, la ilaha illallah, élève-nous au qiyama parmi les salihin, les bons du monde. Allah Ta'ala termine sa sourate là pour dire, Hal thuwib al kuffaru ma kanu yaf'aloun. Hal interrogation, thuwiba, est-ce qu'ils ont fini être récompensés? Et le mot thawab, li, si la vie pouvait dire, donne un dimoun, dépendant de son action, soit récompense ou bien punition. S'il ne fait bon, il gagne récompense. S'il ne fait mauvais, il gagne punition. Et tous les deux servent le mot thawab pour tous les deux. Et sauf qu'il y a certains ulama, je veux dire, qui thawab, il servit pour récompense, une bonne action du service thawab. Et il servit dans le sens sarcasme. Comme si je dirais, quand nous faisons sarcasme avec un dimoun, là, nous servit le mot thawab. Pouvait dire punition basant l'eau sur une mauvaise action qu'il devait faire. Health ou oui, bel koufarou. Est-ce qu'il y a un koufar? Man qui te fait rire, man moukmin. Man qui te fait faire zouloum avec man moukmin. Est-ce qu'il je te fin être récompensé? Man qu'un ou yafaloun pour ce qu'il je te fin faire. Ce qu'il je te fin faire là, ben l'action qu'il je te fin faire là. Est-ce qu'il je ne trouve récompense là? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de Dieu, de façon sarcasme, ou bien est-ce qu'ils ont fait une guerre et punition, qu'ils ont fait une guerre, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, les justes. Allah ta'ala, les pas fait zulum dans aucune façon. Allah ta'ala pas fait zulum dans aucune façon. Donc, c'est lui qui fin fait zulum dans la terre, les pour gagner sa punition dans akhirat, à moins qu'il lui demande Allah subhanahu wa ta'ala, et il répond à zulum là, Donc, ça va, dernier ayat dans sa sourate là, c'est un, comme je dirais, un réconfort pour man kena iman, un espoir pour man kena iman, qui malgré l'eau la terre, je peux subir humiliation, malgré l'eau la terre, je suis capable de subir persécution, je suis capable de sujet à man moquerie, man soeur qui me met hijab, djilbab, peut-être dix moun peut bouffer un jeut, peut-être dix moun peut rire jeut, peut-être dix moun peut hanser le jeut, que je t'étais dans la société que je peux évoluer. Mais connais qui? Finalement, victoire finale pour ban kena taqwa. Faudrait pas qu'il nous laisse nous emporter par sa ban bouffonnerie, sa ban mokrida. Faudrait pas qu'il nous quitte nos ban pratiques religieuses à cause qui société pour dire non. Non, pense à ban ayat Quran quand Allah subhanahu wa ta'ala annonce la victoire à ban croyant. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous, pour nous continuer à prendre ce dîme, pour nous continuer à prendre ce parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec sa main de Ramadan là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous, mettre en pratique ce qui nous vient prendre. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Pas oublier qu'après, Asar,
cinquième, nous n'allions pas frère Abou Bakar Siddiq Bakas. Et après Isha, leçon décalée, 9h30, ben, petit rappel par frère Ashraf Janou. Et normalement, le matin, 6h15, Imtiaz Abdul, toujours préfère sur l'explication Hadith al-Nawawi. Et 11h45, midi moins 15, Ibrahim Sikdo, lui préfère sur ben, petit action qui amène grande récompense. جزاكم الله خيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين